Comme ça. Mais quoi, tu restes avec la peur ou bien? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je te fais le nouveau son. Chaque minute là, tu vas en train de composer les musiques. Tu composes les sons à chaque minute. Chaque minute. Ah, bien, fais écouter. Hein? Juste un peu. Toi, tu vas me tuer. Tu as entendu ça, les musiques là? Non, tu as fini avec. Mais bon, ça va. Me négliger, ils m'ont mis en beng depuis j'ai laissé ça. Ils ont laissé ça là-bas. En parlant de ton beng là, faut t'apprêter parce que ton jour est arrivé. Hein? Hein, comment? Tu as pas dit que c'est un beng? Tu venais rester ici? Non, je viens parler en beng non. Ah, j'ai pas de beng que tu vas aller beau ça maintenant. Tu me regardes encore seulement comme ça là. C'est quoi? Ah, non, tu as encore suivi ça? C'est quoi beau ça? Quoi? Tu... Donc tu ne connais pas beau ça? Non, c'est quoi le beau ça? Le beau ça, c'est la traversée de la Méditerranée. Tu... Ah, c'est ça qu'on appelle Boza. Donc tu vas aller quelque part où tu ne connais même pas comment on appelle ça. Donc quand tu vois comment on dit on va traverser là, c'est ça qu'on appelle Boza. Oh, mais ah, tchè. Je suis pas tonte. Il vient à quelle heure? Yes, moi je t'ai pris tôt. Parce que je ne sais pas, d'un moment à l'autre, il peut arriver. Donc après toi déjà, puisque tonton est allé comme ça poser avec lui. D'accord, pas de souci. Attends, apparemment on sonne même, c'est qui même? Ah, attends, il m'a prêté vite alors. Dingue. Oh yeah. Hey chérie, tu es de retour. Oui mon cœur, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Comment est ta journée? Très bien, en du corps. Ah, je suis là. Ça va? Ça va. Aïe, quelle journée. Très fatigante. Une journée très épuisante, bébé, tu sais. N'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Bon, après je vais t'expliquer. Et Aïda? Aïda est dans la chambre, elle est en train de s'apprêter pour son voyage. Ah d'accord. Dis-moi, tu as fait comment? Tu as causé finalement avec son connaissance pour son voyage? Bien sûr, j'ai parlé avec lui hier soir, je pense. Et il m'a confirmé qu'il sera là. Aujourd'hui soir, et ils iront à la frontière en fait. Mmh. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu sais, c'est mon cas. J'espère que. D'accord. J'espère que son colo est frié. Parce que moi, il ne veut pas les trucs qu'elle va défendre là. T'inquiète et pas. Et que. T'inquiète pas. Tu vois, un peu, ça va tourner un peu un genre. Ouais. J'espère que tu t'es rassuré qu'il est bon pour l'eau. T'inquiète pas. Comme il va mettre ma soeur sur l'eau là, femme le matin, on va appeler seulement pour dire qu'elle est entrée. Moi-même, j'y pense en fait. Quand il sera là, toutes ces questions que tu poses là. Tu pourras lui poser. Tu sais, ce n'est pas mon travail. Mmh. Moi, je le connais personnellement. Je sais qu'il fait un bon travail, mais après, c'est son boulot. Entrez, c'est qui? Ah, on sonne déjà. Entrez peut-être. C'est pas fermé. Ça doit être lui, peut-être. Ah oui, apparemment. Ah. Bonjour, le meilleur couple de l'aventure. Waouh. Celui-là qu'on prévu. Le meilleur connexion monde du siècle. Ouais. Celui-là même qui sait qu'on voit n'étape jamais un poteau. C'est ça. On dit quoi, bro? Je suis là, mon frère, tu n'ignores rien.
Et ta journée. Ah, c'est là, tranquille, c'est Dieu qui a la force. Chacha. T'as réussi à finir là, t'as la colle. Madame, comment allez-vous? Ah, Eric, je suis moi là, non, ça va. Je suis moi tranquille. Ah, toujours à côté de monsieur. Ah, je vois que vous avez oublié le chemin de l'autre côté. Hein. Bon, en fait, j'ai tout fait pour qu'elle parte en Europe, en Belgique, comme on le dit. Mais elle refuse. Tu sais, son moment n'est pas encore arrivé. Hein. Donc peut-être elle n'est pas prête, en fait, tu vois. Ouais, je vois, ça arrive. Et tout le moment, nous sommes là. Hein. Nous, on ne court pas, nous. Mais ne fuit pas. Et nous, déjà, nous, on n'a même pas envie d'aller là-bas. On a nos projets de rentrer nos pays, investir, si on a l'argent. Un peu, ouais. Écoute, je voulais te poser des questions par rapport au Boza là. Ouais. J'espère que ton polo là où tu peux mettre les gens pour Boza là, j'espère que c'est frio. Parce que comme je te donne ma petite soeur là, j'aimerais que demain matin tu m'appelles que ma petite soeur est entrée. Parce que si ma petite soeur n'est pas entrée ou bien que... Non, moi je vais avoir des problèmes avec toi, donc il faut que tu me rassures d'abord. Tu sais quoi ma belle soeur chérie, t'inquiète pas. Je veux que tu mets dans ta tête que ta petite soeur est là déjà Boza. Est-ce que tu comprends? Je veux que tu me fasses confiance. On m'appelle Air France. Air France. Ton mec, il t'a pas dit? Mais Carl, tu ne l'as pas dit? Oh, gars, on te fait confiance. Air France. On m'appelle Air France. Ah, j'aime le nom, c'est ça. Tu avais dit que pour le voyage, il fallait combien? Enfin, comme c'est un convoi VIP, donc la petite, elle va me verser une somme de 3000 euros. 3000 euros. Ça, avec une garantie à 100%. D'accord. Ouais. D'accord, pas de problème. La garantie, c'est que ma petite soit entre. T'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça. Oh. Une fois, un coup comme ça, là, elle est déjà entrée. Je ne veux pas moi que... T'inquiète pas, bébé. Toi, bébé, ça me connaît l'histoire du voyage. Hein. D'accord. Donc, je vais te remettre l'argent. Tiens. Tu m'as choisi avec l'argent là que c'est le manga de t'arrête en toi. T'inquiète pas, bébé, on gère la situation. Voilà les 3000 euros. Tu peux compter. D'accord, merci bien. Mais ça ne vaut pas la peine, puisque vraiment, je vous fais confiance, ça ne vaut pas la peine. Ah, je vous fais confiance. Merci bien. D'accord. Et où se trouve la petite, en fait? Aïda! Aïda! Oui? Tu as fini? Oui, je suis prête. Donc, on est chez Manela. Ah, il est déjà là. Hey. Bonjour. Aïda! Hey. C'est quoi ça? Donc, comment elle est vêtue? On ne bosse pas avec la greffe. Et elle-même la montre, hein. Il te dit que toi tu vas aller Boza, regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu es vêtu. C'est l'habit de Boza ça. Tu m'as parlé de Boza, est-ce que tu m'as parlé de l'habillement? Tu penses que c'est le vol que tu vas prendre? C'est la Méditerranée que tu peux traverser. Et on s'habille contre le froid. Doucement. Ah non, sœur, tu parles beaucoup d'air. Est-ce que tu m'as dit ça? Enfin, désolé madame, désolé de vous interrompre. Je vais devoir m'en occuper de ça. Donc, je suis ravi d'être parmi vous et la confiance dont vous m'avez faite. Alors, on peut partir. Alors, Aïda, oui? Dès que tu bosses, appelle-nous le plus tôt possible. T'as compris? Allez, viens ici, là, tu me parles beaucoup comme ça. La petite soeur de qui? Tu voyages bien. Ok, ma petite soeur. Oui. Alors, on va. Comme tu vas là, il ne faut pas arriver en Beng et tu m'oublies. La danseur. Moi, ce qui me fait peur, c'est la traversée de l'eau. Pourquoi tu as peur? J'ai pas envie de mourir dans l'eau, sincèrement. Non, ne fais pas dire ça. Faut pas avoir peur. Faut prier. Il y a un Dieu pour les aventureux ou bien? Faut avoir la foi. D'accord. Voilà. Tu voyages bien. Hein? Allez, dès que tu arrives à Mbeki, tu m'appelles. Allez, au revoir. Allez, tu fais bonne route et bonne chance à toi. Ces derniers temps dans cette maison, je ne sens plus ta présence. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes ce qui ne va pas. Quel enfant de truc que j'ai envoyé en bas depuis et à quel niveau? Oh, ne t'inquiète pas. Tu sais,
Aïda, c'est une grande fille, elle sait s'y prendre. Et d'ailleurs, tu es tout en contact avec elle, vous testez par téléphone, non? D'accord. Nous sommes en contact et puis quoi? Depuis 6 mois que j'ai envoyé l'enfant en bas, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Attends, dis-moi. Quel est le projet? Je ne comprends plus rien. Je dis bien rien. Ça me saoule cette histoire. Sois tranquille, reste posé. Tu sais ce qu'on va faire? On va appeler mon gars. Tout simplement, on va voir qu'est-ce qui se passe. Tu as des unités? Ne me demande rien, pardon. Ne me demande rien. Ne me demande si j'ai des unités. On va essayer d'appeler mon frère, mon gars. Je connais. Arrête mon téléphone. Dévore ton téléphone. Va le faire si tu veux, tu prends. Oh. Aïda! Aïda! Vitamines que les filles prennent souvent là pour prendre le poids là. Ne me dis pas que ce que je vois là c'est la grossesse. Pardon, Aïda. Pardon, ne me dis pas que ce que je suis en train de voir devant toi là, que c'est la grossesse. Aïda, qui t'a fait ça? Parle, mon Dieu. Qui t'a fait ça? Calme-toi, calme-toi. Assieds-toi, assieds-toi et explique-nous tout, tout ce qui s'est passé. Assieds-toi doucement. Aïda, oui. Je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux m'expliquer? Qui t'a mis dans cet état? C'est le connexion man. Non, c'est le connexion man qui m'a enceinté. Quand nous sommes allés là-bas, il ne voulait pas me lancer. Et un jour, il m'a dit, tant que je ne porte pas son enfant, je vais pas aller en bing. Merde. Non, ça, je vais pas pour ça. Hey. J'ai accepté. Aïe, c'est ton foiré. Il nous a eu. Maître. J'aurai sa peau. Tu m'as rassuré que ma soeur devait arriver.
Lisa, tu m'arrêtes. S'il te plaît. C'est pas, c'est pas. C'est impossible. Regarde, là. Oh. Je ne veux pas. Regarde ta soeur, regarde. Aïda. Attends, doucement, oh. doucement. Aïda. Doucement. Aïda, Aïda. Doucement, attends. Aïda, ne fais pas ça. On va la mettre de l'autre côté, s'il te plaît. Aïda, arrête. On va la mettre de l'autre côté. Arrête ce que tu fais, Aïda. Elle va. Aïda, ma soeur. Ouais, la voiture qui m'a oué. Je ne veux pas. Comment? Lève-la. Aïda, ne fais pas ça. Aïda, réveille-toi. Attends.